Si vous avez été adepte du télécrochet musical Star Academy, vous vous souvenez certainement de certains candidats mythiques. Mais, même ceux qui ne sortent pas gagnants du concours ne tombent pas toujours dans l'oubli. On va vous donner des nouvelles de George Alan Jones que vous n'avez sûrement pas oublié. On vous a partagé plusieurs vidéos qui vont vous rappeler les bons souvenirs. George Alan de Jones a participé à la deuxième édition de la Star Academy, la promotion de Nolwenn Leroy. Comme vous le savez, il n'a pas remporté la saison puisque c'est la jolie Bretonne qui a remporté le concours, mais il n'a pas démérité pour autant. En effet, les téléspectateurs l'ont particulièrement apprécié pour sa personnalité. Certes, le jeune homme était nonchalant, ce qui faisait son charme, mais il avait aussi beaucoup de talent. On lui a souvent reproché de faire preuve de mauvaise volonté. Alors, où en est-il maintenant? Est-il toujours dans la musique? Une chose est sûre, physiquement, il a changé. Vous allez être surpris. Même s'il était un élève très apprécié du public, une fois le concours terminé, il a préféré faire une pause médiatique et prendre du recul. En effet, il n'a même pas été présent pour l'émission qui célébrait les 20 ans de la Star Academy, contrairement à d'autres personnalités. Il faut dire que George Alan Jones semblait en colère à la sortie. En effet, ce grand gaillard a jugé que le concours était truqué maintenant, je peux l'avouer, tout était truqué. J'avais découvert que c'est moi et Madoma qui devions aller en finale. On ne saura jamais le vrai du faux dans cette histoire. En tout cas, aujourd'hui, il est loin de tout ça. En effet, il est commentateur sportif de ski et de snowboard pour Canal Plus International ainsi que l'équipe. Il mène une existence tranquille, mais il n'a pas abandonné complètement la musique. En effet, il vient tout juste de sortir une chanson qu'il a partagée sur son compte Instagram. Vous remarquerez en même temps qu'il s'est métamorphosé. George Alan Jones a 46 ans, et le beau brun est devenu un beau gris. En effet, dans la vidéo en couleur, il révèle avec fierté son visage et son look qui n'a pas manqué de faire réagir. « T'as les mêmes cheveux que moi », écrit un internaute tandis qu'un autre lui balance « T'es beau mec ». Même s'il a vieilli et a disparu de la scène médiatique, certains fans sont toujours restés à ses côtés.